chien. Coucou. Oh, ils sont beaux. Il est tout petit, il est vraiment minuscule. Coucou bébé. Ah, tu t'enfuis. Peut-être qu'on retrouvera Gérard, mais je sais plus dans quelle cage est Gérard. C'est pas celle-là? Je sais plus du tout. Il me semble que Gérard est dans une de ces cages-là. Mais je sais pas où il est, je pense qu'on le verra de l'autre côté quand on reviendra. Je suis un peu dégoûtée de pas vous montrer Gérard. Ah non. Peut-être par là. Enfin bon, Gérard est dans une de ces cages, je vous le montrerai. Doigt dans la main surtout. Vitre, main contre vitre. Main contre vitre. Gérard, l'amour de ma vie. Je te retrouverai, mon petit barbu. C'est voir que Gérard, c'est cette tête-là. Voilà. Ok, cette barbe blanche. Je ne sais pas. Aidez-moi. Ah non, ça c'était eux qui se battaient. C'était eux tout à l'heure. Il y avait une bataille, mon gars. Ça y est, ça cherche la mer, là. Ça cherche surtout la merde. On arrive au manchot. Les manchots. Et vous avez de la chance parce que vous avez le fil de ma batterie actuellement. Donc oui, je vous disais qu'on arrivait au manchot, tout simplement. Alex a l'air ravi. Il est peut-être. Bon. Les manchots. Il est trop beau. On les voit pas dessus parce que il y a beaucoup de buée. Et en fait, ça sent le poisson, mais à un point. Peut-être que je vais vous montrer. Ça pue le poisson, ça. En fait, je vais monter. Je vais abandonner Alex 2 minutes pour vous montrer. Déjà, c'est une montée extrêmement chiante. Moi, c'est le manchot. C'est pas le truc le plus mignon que vous avez jamais vu. Coucou, toi. C'est trop mignon. C'est juste trop mignon. Alex était tellement petit que je ne le revoyais plus. Et maintenant je l'ai retrouvé. Bonjour Alex. Ah, j'ai fait un tête à tête avec un manchot. Toi aussi t'as trouvé l'amour de ta vie? Oui. Ah mon dieu. C'était t'as trouvé intense. Ton Gérard? Oui. Il s'appelle pas Gérard. Il s'appelle comment? Hector. Oui. Hector. Donc là rien que pour Alex, on va partir sur des paresseux. Sur des paresseux. Sur des pas chéreux. Oh, pas chéreux. Pas chéreux. Des pas chéreux. Ah, lui par contre il se gratte, il est où? Et donc en fait, tout le mur. Bonjour madame. Tout le mur était couvert de volières à l'époque. C'est ce que ta mère nous a dit ce matin. Oui. Alors ma maman, petite anecdote. Ma maman, quand elle habitait à Tours pour ses études, a passé souvent ici. Il faut savoir qu'avant ici c'était des volières. Et ça coûtait 1 franc l'entrée. Qui vaut à combien maintenant? Pas du tout, moins d'un euro. Moins d'un euro, je crois. Donc franchement, ça allait. Et il y avait une trentaine de volières sur tout le long. Et après, le zoo s'est développé. Donc voilà, c'était la petite histoire du zoo de Beauval. Toutes les volières que là, vous voyez maintenant. Voilà, c'est ça. Ça date d'il y a des années et des années et des années. Dans la serre des oiseaux. Il va falloir que je me débrouille pour ouvrir la porte. Parce qu'Alex prend sa caméra. Putain, c'est glauque. C'est extrêmement glauque. On n'a pas visité ça ce matin. Oh putain. Il y a des cordes. Aïe, mon dieu. Ah, c'est ouf. En fait, c'est juste ouf. Ça pue aussi. Ça pue, mais le décor est ouf. Je sais pas ce que c'est. Super stylé. C'est un cardinal de Virginie. Il est trop beau. C'est super beau. Et normalement, on est censé, à un moment, on est censé voir des paresseux. Donc, c'est parti. Il y a un oiseau, les gars. On peut en parler 20 minutes, si vous voulez. On dirait qu'il a une banane sur la tête. Exactement ce que je viens de dire. Pourquoi c'est une banane sur la tête. Il y a plein d'oiseaux en liberté. Même pour la nourriture. Regardez le manchot mignon. Il est mignon. Les oiseaux, franchement, ils ont une super adaptation parce que moi, là-dedans, ça me plairait pas d'y être. Mais en tout cas, ils veulent en pleine liberté. C'est super cool. Enfin, du moins, ceux qui ont été libérés. Regardez ce décor. C'est pas ouf. Moi, je trouve ça ouf. Donc là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, j'ai trouvé l'oiseau. Bonjour, petite bête. C'est super joli. Regardez comment c'est trop beau. Franchement. Ah, Alex, il y a celui-là qu'on avait tout à l'heure. Un oiseau plat.
l'oiseau plat. Et quand tu te mets sur le côté, genre on dirait que c'est une photo. C'est un truc de ouf. Là-bas aussi, il y a une silhouette. Un pharaon. Un enfant. C'est un oiseau. Mais c'est pas un oiseau, ça. C'est un oiseau. Ah non, c'est pas un oiseau du tout. Pourquoi dans la chair des oiseaux ils ont mis un tapis? Pourquoi est-ce que dans la chair des oiseaux ils ont mis des parapluies? C'est une bonne question. Mais je les vois pas pour l'instant donc. Donc on va chercher actuellement les paresseux. En espérant que c'est pas cher parce que sinon on aura fait le tour. La truc c'est que j'ai vu une affiche de paresseux mais il n'y avait pas de paresseux. Actuellement à la recherche des paresseux. Alex, reporter. Les paresseux sous cette là, alors le premier qui voit un paresseux, tu mets une image de paresseux. Oh, mais il est trop mignon celui-là, pardon. C'est pas du tout ce que je cherchais. Le paresseux se cache très très bien, il faut le savoir apparemment. Parce que on ne le voit pas. Il est censé être là, mais si vous le trouvez, les gars, mettez une image de paresseux en commentaire. Parce que là, franchement. Ah, je l'ai trouvé! Pas besoin, les gars, vous avez perdu. Regardez-moi ça. Alex a disparu. Nous pouvons maintenant sortir de la serre des oiseaux. On va trouver un endroit où nous poser. Et je pense que nous allons aller nous poser près des girafes. Et ça va être très bien. On va apprécier.